Alors ma chienne, je l'ai depuis l'âge de 2 mois, donc elle a 8 ans et demi maintenant, et depuis 6 mois, elle a appris à rechercher les billets de banque en plus des produits stupéfiants. Alors mon chien, pour qu'il me montre quand il a détecté quelque chose d'effectivement d'intéressant pour une enquête ou pour le travail qu'on lui demande, va prendre une position, qu'elle soit assise ou debout, en se figeant devant l'endroit où il y a des stupéfiants ou des billets. Avec quelque chose. Ça, c'est les francs suisses, c'est les coupures de 10. Et ça, c'est les euros. Tout ce qu'on fait avec lui, tout le travail qu'on fait avec lui, c'est un jeu. Alors, on a différentes façons de récompenser le chien et puis de lui dire qu'on est content. Donc, on a le moyen du clicker pour lui montrer que le travail était bien, on lui offrira une récompense. Il y a la voix, il y a de la nourriture. Tout est basé sur le jeu et la récompense. L'animal travaille pour ça. Nous avons un jeu pour conditionner le travail du chien qui s'appelle un Brinzel, et dedans le chien sait sur quoi il va travailler. Là en l'occurrence des stups et de la recherche de billets de banque. C'est effectivement imprégné. Mon chien a été entraîné à détecter les billets suisses et les euros. Après, toute une série de billets correspondent au niveau type et au niveau matière sur d'autres monnaies, mais pour l'instant on travaille principalement là. Francs suisses, euros. Très bien, messieurs. Bravo.